Bonjour les développeurs et bienvenue sur la chaîne de AS Star Coding. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du guide 5M 2023. Nous allons continuer ensemble la création d'une base en format Legacy. Aujourd'hui, le titre du jour, nous allons continuer le dossier Core en version Legacy 1.9.4. Oui, c'est 1.9.4. L'épisode 10 du chapitre 2, partie 3. Vous inquiétez pas, on va vite sur PI. Nous allons checker trois dossiers. Aujourd'hui, nous allons regarder le ESX Text-UI. Aujourd'hui également, c'est la spécialité du jour, ESX menu defaults, ESX menu dialogue. Et enfin, le tout puissant, le magnifique ESX landing screen. Voilà, donc c'est ce qu'on va checker aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents, puisque c'est vrai qu'il faut quand même les connaître. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, parlons sérieusement entre nous. ESX Test-UI, qui le connaît? Dites-moi en commentaire, est-ce que tu sais c'est quoi? Alors, moi je vais te le révéler, puisque oui, j'ai appris mes cours. Devant moi, il suffit que j'ai une petite tablette avec des écritures, c'est parfait. Alors, le ESX Text-UI, il s'agit tout simplement d'un script qui va vous permettre de créer des interfaces utilisateurs textuelles, un peu comme le OXLib aussi, qui le fait très très bien, et d'autres scripts qui le fait tout également. Voilà, donc vous pouvez créer plusieurs interfaces dans le client, ou dans le serveur, ou dans le HTML. Enfin, je vous dis ça comme ça l'avec parce que voilà, on va aller regarder. Alors, on va aller là. Voilà, là, alors on va aller checker ça tout de suite. Voilà, hop, tac, tac. On va aller dans base legacy, on va aller dans tuto. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Core. Et on va aller dans le text-UI. Donc, je vous dis ça, il n'y avait pas de client, mais c'était juste pour l'affaire. T'as vu un petit peu? Non, alors voilà, il y a un petit manifest, d'accord. Il y a un petit text-UI, donc à mon avis, je pense que ça doit être comme un petit client qu'ils ont juste renommé. Text-UI, j'imagine. Donc, il n'y a pas beaucoup de code, mais il y a du debug, il y a du local, une fonction AI. De toute façon, vous inquiétez pas, tout ça, on va le rechecker quand on fera des lives. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, on fera des lives par mois. Et il y a aussi des cours, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, bon là, il lui exporte directement dans le fichier en question. Bah, c'est ce fichier-là. Et d'accord, bon, bah, c'est un truc qui est simple. Hop. Et ensuite, dedans, voilà. Bon, c'était juste du HTML. De toute façon, souvent, les interfaces, c'est du HTML. Et ça aussi, on fera un tuto dessus prochainement dans une vidéo pour créer de A à Z un menu en UI. Voilà. Et non, ce ne sera pas du Rage UI pour ceux qui cherchaient du Rage UI. Il n'y aura pas de Rage UI, les gars. Donc, voilà. Dans la chaîne, il n'y aura pas de Rage UI. Par contre, il y aura du UI, UX. Voilà. Nous, on se met à la page. Alors, tout simplement, on va ouvrir le petit HTML pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ah, merde. Je vais se tromper de... Ah, bordel. Là. Ici, pensant devant soi. Voilà. Rien d'extraordinaire. Ici, ça doit être les titres. Bon, voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est un menu, enfin, c'est un script qui est quand même assez classique en soi. Mais c'est, vous avez besoin de ça pour créer vos interfaces. Regardez sur OXLib. Vous allez voir que normalement, il se peut que vous avez peut-être des exports en text-UI. C'est possible. Donc, voilà, donc ce script-là, il va être justement relié avec ESX menu defaults, qui sont souvent en binôme. Également, il va aussi utiliser pour afficher du coup les messages forcément et les notifications de vos menus ou de vos joueurs. Alors, il peut être souvent utilisé en conjoint avec d'autres scripts. Alors, vous n'êtes pas forcé d'utiliser forcément menu default. Vous pouvez très bien utiliser d'autres scripts que soit vous achetez ou soit vous créez vous-même. Il n'y a pas de problème. On est tous là, les gars. On est tous ensemble. En fait, vous pouvez utiliser. Voilà, là, par exemple, voilà, il peut être utilisé avec ESX menu defaults. Permet aussi, de créer des menus interactifs pour vos joueurs lorsque le joueur sélectionne un menu
Quand par exemple vous faites une commande, vous savez, sur le T slash par exemple, je sais pas, commande par exemple texte par exemple, vous appuyez dessus, bah, ça va vous ouvrir une interface. Et ben, en gros, ça va faire ça. Tout simplement, donc bah voilà, hein, le ESX TextUI vous propose ça. Bien évidemment, vous inquiétez pas, là on fait du blabla, mais on fera de la pratique dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Ensuite, allez, on perd pas de temps et on est parti pour le menu des false. Alors, qu'est-ce que c'est le menu des false? Alors, vous verrez qu'on ne parlera pas du dossier liste parce que aujourd'hui, en fait, il ne sert plus à grand-chose, honnêtement. Bon, j'aurais pu le... Vous voyez, hein, mais on va voir quand même, mais il n'y aura pas de précision sur ça. D'ailleurs, même sur les trois dossiers, en fait, je voulais pas vous le préciser parce que ça me semble logique... comme ils le disent dans le fichier, hein, ça sert des menus, des interfaces, donc c'est juste logique. Mais comme ça, au moins c'est complet, on est complet, c'est là, vous regardez, tant mieux, vous avez compris, c'est magnifique, vous comprenez pas, vous regardez pas, bah tant pis pour vous, hein, c'est aussi simple que ça. Allez, on va partir sur le menu defaults. D'ailleurs, si vous avez un problème sur ce que je blablate et que vous captez pas, et ben, vous allez dans le Discord, ah, bien sûr pour ceux qui peuvent, hein, puisque oui, nous on filtre, on est, on n'a pas accès à tout le monde, désolé, hein, tout le monde ne peut pas survivre. Hein. Alors, vous allez bien sûr accepter le règlement, etc., etc. Et vous allez dans Aide Globale, vous posez votre question, et on vous répond, nous sommes assez actifs, et nous on répond à tout le monde, les gars. On va pas vous laisser planter dans un truc qui est perdu dans l'espace. Non, on va vous aider, voilà. Si on n'a pas la question, et ben on vous dit tout simplement, désolé, nous n'avons pas la question, donc c'est à toi de chercher, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on va pas te laisser en plan. Voilà. Hein. Donc, n'hésite pas à poser ta question, on le sait, on te répond, on sait pas, Inch'Allah, Inch'Allah, hein. Allez, on revient à nos moutons. Allez, c'est parti, menu default. Alors là, on a un petit client. Alors, le menu défaut, attendez, faut que je lui mette mes midocs là. Alors, le menu, voilà, cependant. Oui, il y a toujours un cependant. Je ne peux pas vous fournir des détails. Parce que c'est quand même un dossier assez juste simple, en fait, hein, tout simplement. Hein. Il est toujours avec le relation, comme je viens de le dire, texte UI. Voilà. Donc, en gros, celui-là, le menu, bah, voilà, il vous propose tout simplement des menus. Il n'y a rien de sorcier, en fait. Hein. Il est lié avec le texte UI, tout simplement. Donc là, vous allez avoir un client. Alors, attendez, on va faire propre. Ah, on va cliquer dessus déjà, ça sera déjà pas mal. Ouais, bah, c'est bon, parfait. Je pensais que j'avais pas cliqué dessus. Et bah, tout simplement, voilà, bah, lui aussi va vous proposer, comme je viens de le dire à l'instant, juste bah, des menus. Quoi. Et c'est fait, bien évidemment, comme vous le savez, en UI. Voilà, ce qui vous permet d'ouvrir des interfaces visuelles. Tac. Je vais vous montrer peut-être un exemple si on a le temps in-game. Je vais vous montrer un exemple, sinon ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc tout simplement, voilà, fermer, ouvrir, fermer, avec des inputs, etc. Et ça, vous retrouvez d'ailleurs la fonction input dans le OXLib, où actuellement, plein de gens galèrent. Donc, je ferai aussi une vidéo sur le OXLib, d'ailleurs, dans une grosse partie de tout ce qui sera OX, hein, OX Doorlock, on va le retrouver aussi. On va faire aussi du OX Inventory, on va faire du OXLib, du OX Target, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent. Donc, on va essayer de vous aiguiller sur le OX Target, même si ça ne m'enchante pas trop, parce que je sais que je vais galérer ma race aussi. Et faut le dire, hein, les gars, faut le dire. Hein. Donc du coup, voilà, ça sera des grosses vidéos. Mais au moins, ils seront présents, ils seront là. J'espère que je vais vous aiguiller pour vous débugger, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, bah, ça sera pas mal. Donc, il y aura bien évidemment, alors, tous ceux qui sont, enfin, je veux dire, des scripts longs, ça sera des lives. Comme ça, au moins, on va pas perdre de temps avec des vidéos de 3h, 4h. Vaut mieux faire des lives avec une rediffusion plutôt qu'une vidéo qui sera peut-être peu vue parce que ce sera trop long. Et déjà, rien qu'avec le double job, c'est trop long. Donc, voilà. D'ailleurs, même ESX Extended double job, ça sera un live. Hein. Ça, c'est toujours d'actualité, les gars. D'ailleurs, je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Mais voilà, ça sera un live. Donc, voilà pour le menu default. Donc, tout simplement, vous ouvrez un menu, vous fermez un menu, vous mettez votre contenu dans le menu, ce que vous voulez rajouter, etc. D'ailleurs, c'est même plus simple de faire un rajout, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pour les débutants, il vaut mieux commencer par les choses qui sont simples que le framework vous propose. Voilà, le rajout, c'est une bibliothèque, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est un peu complexe. Mais bon, chacun voit à 1014h, ça porte d'ailleurs, ça porte. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va rechecker ici. Donc, on a forcément du HTML, hein, parce que utilisateur, les gars,
Enfin, interface utilisateur. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, le rajout, les gars, c'est interface utilisateur. Nui, c'est une interface utilisateur aussi. C'est native. Interface utilisateur, tout simplement. En gros, voilà. Ensuite, bah là, on a du HTML. Donc là, blabla, c'est la même chose. Hop, voilà. C'est très peu expliqué, hein, mais c'est parce que c'est juste, en fait, pour ouvrir l'interface. Pareil, ça aussi, je vous ferai une vidéo, bah, comme dans la vidéo de du HTML que je ferai. Je vous expliquerai tout ça. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Rien de compliqué. Il y a du CSS, pardon. Et ça, c'est les polices d'écriture, voilà. Et ça, c'est le JS. Ça aussi, je vous expliquerai. Je suis en train de me former en même temps. Putain, j'ai pas sur le bon truc. Je vous expliquerai aussi. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, le JS. Mais en vrai, JavaScript... Voilà, de toute façon, quand vous avez au moins une base d'un langage de programmation, vous allez vite vous mettre dessus. Hein. C'est simple. Regardez, de toute façon, ça vous demande le menu, l'interface, etc. Avec des fonctions qui seront à l'intérieur de votre interface. Tout simplement. Donc voilà. Là, je survole un peu parce que voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous donner un petit aperçu, d'accord. Mais pour l'instant, on manipule pas. Je vous explique un peu à quoi que ça sert et on check, etc. Donc là, on a un manifeste. Dans les manifestes, d'ailleurs, maintenant, les gars, pour ceux qui savent pas, vous êtes plus dans l'obligation de mettre tous ces contenus-là, que ce soit les scripts, les véhicules et les mappings. Vous avez plus le besoin. Mais en fait, ils repartent un petit peu à l'ancienne où il y avait juste marqué version et c'était tout. D'accord. Essayez, vous allez voir, vous n'aurez plus les erreurs de warning FX manifest. Vous ne les aurez plus et vos scripts fonctionneront. Alors pour les véhicules, je sais que ça fonctionne. Pour les mappings, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Pour les scripts, moi j'ai essayé pour le coup, ça fonctionne. Donc voilà, est-ce que tout fonctionne à 100%? J'ai pas vérifié. En tout cas, moi je n'ai pas d'erreur console. Warning de truc de FX manifest là. Donc du coup voilà. Si vous voyez que par exemple il vous dit le UI page, vous n'êtes plus obligé de le mettre, vous le supprimez et vous n'aurez plus l'erreur, tout simplement. Voilà, vous aussi je referai une vidéo par rapport à ça, ou je le ferai dans le live directement. Je pense pas que ça demande une vidéo juste pour dire supprimer cette erreur console. Donc du coup voilà. Comme j'ai dit, voilà, le menu défaut sert juste à faire des menus dans l'interface. Rien de compliqué à comprendre ça les gars. Donc du coup voilà, c'est super simple, hein. Je sais que c'est des vidéos, voilà. Mais au moins ça peut vous aider sur certaines choses. Donc on va s'attaquer du coup au menu, au dialogue. Bon bah voilà, la réponse elle est dans le renommé les gars. Hein. C'est un menu qui va vous proposer tout simplement des dialogues. Alors avec des PNJ ou sans PNJ, juste avec des textes. Hein. Et des menus bien évidemment. Donc voilà, je vais vous dire, bon voilà, le dossier menu default. Il est probablement que cela fasse référence à un script ou à une ressource spécifique dans ESX qui gère les dialogues et les menus interactifs dans le jeu. Dans un contexte de jeu, cela peut permettre aux joueurs d'interagir, par exemple, comme je viens de le dire, avec des PNJ. PNJ, personnage, non-joueur, les gars. Vous comprenez? PNJ, non-joueur. Comme ce que je viens de le dire juste avant. Voilà, ou d'effectuer des actions spécifiques via des menus à l'écran. Je viens aussi de vous le citer. Et du coup, voilà, ça fait des actions, etc. Qui peut être aussi relié avec le menu, du coup, le menu par défaut, pardon. Et le texte UI, parce qu'il faut bien sûr des interactions et des affichages. Donc du coup, voilà. Je vous ai dit, les gars, ça va être une vidéo très très simple. Mais bon. Et enfin, du coup, bah voilà, hein, c'est fini pour le menu dialogue, les gars. Il n'y a rien de compliqué. On l'a fait, là, le menu dialogue non, c'est le... Si, c'est le menu dialogue. Alors, le menu dialogue... Je me rappelle plus si on l'a fait, hein, les gars. Bah si, on va le faire. Je crois. Menu ouverture, aussi, c'est pareil. Ah non, c'était menu par défaut, donc là, c'est bon. On l'avait pas fait. Vous avez aussi, voilà, une notif. Vous avez des events, hein, logique. Et voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, aussi. Donc, vous pouvez faire des menus très bien à partir de ça. Voilà, le menu dialogue. Comme le script de H, je sais pas si vous voyez à peu près c'est lequel. Je crois que c'est un américain qui a fait ce script-là, H.png, je sais plus quoi. Et en gros, bah, il vous permet de dialoguer comme dans un jeu. RPG, je crois. RPG, je crois. Enfin, le pet va vous poser des questions, vous répondez, vous avez une petite barre en bas et vous avez vos réponses en bas. Donc du coup voilà, c'est pas mal pour les gens qui veulent faire ça, pour faire une interaction avec les PNJ, je trouve que c'est cool. Moi je trouve que c'est quand même RP, bon après les gens pensent ce qu'ils pensent, mais du coup moi je trouve que c'est cool d'interagir avec des pets.
Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué à expliquer ici. Hein. On a un petit client. Voilà, on n'aura pas de serveur puisque de toute façon, ça part vraiment d'interaction avec le côté serveur, plutôt que côté client. Ça aussi, hein, les gars, il faut que vous sachiez c'est quoi le côté client, le côté serveur. Je ferai des piqûres de rappel au moment qu'on fera des manipulations dans le langage de programmation. Là, forcément, bon, voilà, hein, c'est aussi pareil. Hein, on a de l'interface et on a un manifeste, bien évidemment. Tout simplement. Et on va checker le menu list, malgré qu'il n'est pas dans mon truc, mais c'est pareil. Donc, il va checker. Bah, toute la liste de votre menu, voilà, tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment d'interaction là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé. Pareil, vous allez avoir aussi du HTML, forcément, et vous allez avoir aussi, bien sûr, il y a aussi des notifs, hein, les gars, dans tout ce que je viens de dire, il y a aussi des notifications. Et enfin, le landing screen, alors, les gars, la réponse, elle est dedans, les gars. Alors, c'est juste un script, les gars, qui est conçu pour gérer tout simplement l'interface à l'écran. Tout simplement. L'écran de chargement lorsqu'un joueur se connecte, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre de l'écriture, vous pouvez mettre du nuit, vous pouvez mettre aussi du design, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça fonctionnera, du JS, du HTML, de toute façon l'HTML, je pense que c'est, c'est une obligation. Le JavaScript, c'est pas une obligation, c'est juste si vous voulez par exemple mettre des pour couper le son par exemple, si vous voulez mettre pour aller sur un lien, c'est-à-dire vous mettez votre Discord, vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur une autre interface, donc vous êtes quand vous allez faire un clic, bah du coup ça c'est du JS. Donc du coup voilà, vous êtes bon, c'est tout simplement hein, voilà, l'utilité de l'IC standard est fournir une interface visuelle et interactive pendant la procession de chargement du serveur. Cela vous permet aux joueurs de voir des informations telles que le nom, le serveur, enfin le nom du serveur logique, et des images, les personnalités, des conseils du jeu, des annonces, etc. Même le règlement les gars, et d'autres choses aussi hein, pendant qu'ils attendent que le jeu arrive. Bon, sans de penser, oui. Et donc, le landing screen est souvent relié, bah, du coup, avec ESX Job List, hein, tout simplement, parce que des fois, vous pouvez mettre aussi les jobs. Vous pouvez mettre plein de choses, les gars. Vous pouvez mettre ce que le ESX Statut, bien évidemment, parce que oui, le landing screen est relié avec tout ça. C'est pour ça que des fois, quand vous allez, quand vous rentrez dans le landing screen et vous dites, oh, bah, ça marche pas, parce que vous êtes en warty screen aussi, ça aussi, les gars, faut savoir c'est quoi, hein. C'est quand un script ne charge pas parce qu'il n'arrive pas à le trouver. What is screen, les gars? Attente de script. Et voilà. Et du coup, ben, tout simplement, c'est ça. Et aussi le statut. Donc, c'est relié aussi. Donc, des fois, quand vous êtes bloqué dans le chargement et qu'il n'y a pas le what is screen, pour le coup, ben là, justement, c'est juste qu'il y a un script qui ne fonctionne pas. À peu près comme ça. D'accord ? Donc vous supprimez, vous le testez, ça fonctionne. Dans la logique à 100%, ça fonctionne. Donc, bon, aussi simple que ça, les gars, hein, voilà. Donc du coup, maintenant, on en a fini, ça y est, avec le dossier corps. Voilà, tout ça, bah, c'est le dossier corps. Alors, vous comptez pas celui-là, parce que celui-là, il n'est pas officiel, les gars. Normalement, il y a skin et skin changer dans la vidéo que je l'ai fait, enfin, que j'ai faite, pardon. Et donc, voilà, comme j'ai dit dans la première vidéo, je crois, dans le dossier corps, considérez que le dossier corps, c'est vos paramètres de serveur. D'accord ? C'est là où vous allez configurer bah, tout ce que vous avez besoin, que ce soit ESX officiel ou les scripts que vous allez vous-même créer. D'accord ? Là-dedans, vous avez tout. De toute façon, vous avez ESX Standard qui est complet de ouf pour les jobs, pour le double job, pour tout ce que vous voulez, hein, les interfaces, le visuel, tout, bah, c'est là-dedans. Donc c'est à vous derrière de soit de compléter ou soit d'ajuster. Voilà. Oh putain, c'était magnifique. Oh, l'internet. Et du coup, vous avez le contexte qu'on avait déjà expliqué. Identity, c'est pareil. Et etc. etc. On n'est pas obligé de suivre cette trame, mais en tout cas, moi. C'est ce que je suis, moi quand je vois le dossier corps, et eh ben pour moi c'est tout ce qui est paramètres de mon serveur. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ici vous avez ESX add-on, et dans les ESX add-on, tout comme ça le dit, hein, ça ajoute des scripts. Ça veut dire que bah, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, c'est pas une obligation de les avoir.
D'accord ? Maintenant, tout ce qui est add-on, compte, etc., vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ? Sûrement. Hein, d'accord ? On est dans le langage de programmation, les gars, tout est possible. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces dossiers-là. Vous pouvez tout à fait les supprimer et créer les vôtres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'ils soient automatiquement relié avec ça. Et il faut savoir ce que ça veut dire, relier un script à un autre, d'accord ? Ça aussi, on le verra quand on fera soit du live ou soit de la vidéo dans la manipulation des scripts. Donc du coup, voilà. Et ce que je voulais en venir, c'est que du coup, nous n'allons pas checker le dossier add-on, tout simplement parce que c'est des ajouts, voilà. Et puis de toute façon, tout ce qui est là, vous le savez, vous le connaissez, donc je ne vois pas pourquoi je ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, rien n'empêche que si vous le souhaitez, vous me le marquez en commentaire et je le mettrai et je verrai pour voir si je le fais ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, en parlant de commentaires, hein, de aller soit mettre un commentaire ici ou, comme je l'ai dit, directement via les vidéos, les gars. N'ayez pas peur, posez votre question et puis c'est cool. Voilà. Comme lui, il avait posé sa question, je crois. Salut les vidéos, merci. Voilà, c'est impeccable. D'ailleurs, merci à tous ceux qui like, merci à ceux qui se follow et merci à ceux qui commentent parce que ça fait super plaisir. Et donc, ça donne envie de continuer les vidéos. Donc ça, c'est cool. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en attente, mais du coup, voilà. Donc j'essaie de faire mon possible pour vous proposer tout ça. D'ailleurs, cet été et à la rentrée, il y aura pas mal de nouveautés, les gars. Pardon. Vous pouvez aussi nous rejoindre dès à présent, maintenant, sur TikTok. Oui, je sais, j'aime bien TikTok. C'est... Donc, je vais vous donner le scan. Hop, voilà. Vous pouvez scanner et nous sommes maintenant, à présent, sur TikTok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur TikTok ? Eh ben, il va se passer des choses suivantes. C'est qu'on va vous proposer des trucs à côté de YouTube, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour 5M du moins, on va vous proposer des fonctions. C'est-à-dire comment créer une fonctionnalité pour, je sais pas, spawn un véhicule, spawn un PNJ, comment faire un menu avec un PNJ, etc. avec des interactions, voilà, sur des vidéos de moins de 10 minutes. Oui, parce que c'est TikTok qui nous le bloque encore. Alors, du coup, on fera des vidéos de moins de 10 minutes, les gars. En format TikTok. Et donc ça, ça sera à prévoir entre l'été et la rentrée. Voilà. Aussi, c'est pas fini, les gars, parce que la chaîne, elle va... La chaîne, on a pas mal de projets là-dessus. Donc, il y a aussi quelque chose qui arrive, du moins uniquement pour 5M. Alors ça, c'est pour la rentrée. Je peux vous dire que Ice Star Coding, c'est lourd, quoi. Donc, on a pas mal de projets là-dessus. Et je suis content de faire ce projet, pas uniquement pour 5M, parce que les gars, pour ceux qui croient encore que c'est que pour 5M, non, c'est toujours pas que pour 5M. Une fois que les séries sont finies, les gars, enfin les game servers sont finis, je veux dire 5M, ATV, Red Dead, QB Core, etc., on passe à autre chose. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je crois, je sais même plus, bien sûr, s'il y a des grosses mises à jour, par exemple en QB Core ou en ESX, ils ont changé, après OX, ils sont passés à YZ, par exemple, on fera une mise à jour YZ, voilà, et ça sera tout. Hein, d'accord, on va pas refaire tous des tutos, etc. Une fois que c'est passé. De toute façon, après, c'est la même chose, les gars. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont encore sous essentiel mode et qui comprennent toujours pas, tant pis pour eux. Mais du coup, on fait une mise à jour globale et on respecte tout. Et puis c'est fini. Et après, on passe encore à autre chose. D'accord. Par contre, après, une fois que les playlists sont faites, c'est-à-dire qu'on va faire des playlists, une fois que toutes les séries sont finex, hop, on va vous faire. Une playlist Alt-V, une playlist Red Dead, une playlist QB et une playlist de 5M qui sera quand même complète, moi j'espère. Donc du coup, voilà. Il y a quand même pas mal de taf aussi à côté. Donc voilà, là on va commencer à faire quelques petites manipulations pratiques du coup. On va faire aussi les lives. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions quand il y aura le live aussi, posez vos questions. Voilà. Et d'accord, d'ailleurs, merci par rapport au sondage, parce que c'est le sondage hop. J'ai mis ça où, voilà. Le sondage par rapport, voilà, les vidéos utiles. Voilà, il y en a qui ont dit que c'était super utile, donc merci. Et voilà, donc il y aura un live. Alors je crois que c'était compté du mois de. Non, il n'y avait pas forcément de date parce que j'hésitais encore. Mais du coup, il y aura un live par mois, donc ça c'est sûr et certain. Et voilà, donc
normalement, je peux vous dire qu'il y aura un live en mois de juillet. Voilà, ça va commencer en mois de juillet. Comme j'ai dit, ça sera des lives brutales, donc vous saurez pas. Il y aura pas de date de. Je veux dire, il y aura pas de sélection de date. Enfin, je veux dire, il y a pas de date fixe. Ça peut être demain, par exemple. Voilà. Mais bien sûr, si c'est dans la journée, vous aurez bien sûr l'heure. Hein, c'est logique. Et du coup, voilà. Souvent les lives, normalement, ça sera fin dans la soirée, hein, les gars. Je pense pas que ça sera dans la journée, mais on ne sait jamais, les gars. Si vous êtes dans le Discord, vous aurez la notif. Maintenant, si vous êtes, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans le Discord, vous inquiétez pas, ça sera communiqué dans la version communautaire. Donc, n'hésitez pas à y rentrer, enfin, à être dessus là. Et puis voilà, on essaie de vraiment, enfin, j'essaie d'être actif à 100%. Je réponds à toutes les commentaires. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah voilà, je suis très actif sur toutes les commentaires. Enfin, à peu près les mêmes. Enfin, ceux qui sont des questions intelligentes, du moins. Donc du coup voilà. Sinon, bah voilà, j'ai pas fait 30 minutes. C'est cool, c'est cool. J'espère que ça vous aura plu. Et normalement, la prochaine vidéo. Alors attendez que je check mon bloc-notes. Parce que moi je sais plus ce que je fais. Alors pour l'instant, oui, il n'y avait pas vraiment de. Je sais pas ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. Donc du coup, dans l'épisode 11. Donc de toute façon, ça sera un nouveau chapitre. Parce que là, le dossier core est défini. ESX add-on, bah il n'y en a pas. Donc je vois pas trop l'utilité, mais vous inquiétez pas, hein, rien ne vous empêche à vous expliquer le dossier client, le dossier serveur, quoi ça sert, etc. Dans les configs aussi, qu'est-ce que ça, à quoi ça sert, et les fonctions dans le client, les fonctions dans le serveur, voilà, vous inquiétez pas. Tout ça sera bien évidemment expliqué en clair et en net, voilà. Et puis voilà, j'espère que ça va vous aider, tout ce que j'ai en train de vous raconter, j'espère que vous comprenez aussi ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et du coup voilà, je pense que voilà, je pense que j'ai tout dit en fait. Alors vous inquiétez pas, hein, le dossier, le live double job arrive prochainement. D'ailleurs, même pour la version 1.9.4 maintenant, le double job est présent. Donc je vous ferai un live justement pour ça. Je vous expliquerai aussi comment mettre le double job dans, dans les fichiers qu'il faut, etc. Donc vous inquiétez pas, j'ai tous les clés en main. Mais vous, est-ce que vous serez plaisant, hein? C'était la question. Voilà. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour les follow, les likes, les commentaires, les interactions, etc. Votre bienvenue aussi, hein, sur le Discord. Et je vois, voilà. Moi, je trouve que vous êtes content, et moi aussi. Donc voilà. Et je vous dis, bah, du coup, à la prochaine pour l'épisode 11 du nouveau chapitre 3. C'était Alvaro Style, le plus beau, le plus fort, le magnifique Alvaro Style. Et comme d'habitude, on dit toujours merci, vive les crêpes. Quelle fin incroyable, je trouve que. Non, franchement.